Je vous le disais dans le titre, les forces armées maliennes viennent de mettre la main sur deux camions chargés d'armes et de munitions abandonnés par les terroristes au cours de leur fuite. Nous retrouvons le point avec Candécila. C'est suite à une patrouille militaire aux environs de la forêt de Ouagadougou, à 75 km de Diabali, que ces deux camions ont été retrouvés. Deux camions remplis de moyens logistiques abandonnés par les djihadistes dans leur débandade. Les véhicules remorqués jusqu'à Diabali contenaient des armes, des munitions de tout acabit, des roquettes mais également une quantité importante de carburant. Ces camions constituaient la logistique de l'ennemi. Dans le camion, il y avait du carburant, à peu près plus de 3000 litres d'essence et des motos pour les éclairer au cours de leurs opérations avec beaucoup de munitions. Et de l'armement. C'est les munitions des armes lourdes, particulièrement 14-5, 12-7 et PKM. Et avec les munitions de BM-21 et les deux obus de mortier 60 et 82. Selon le lieutenant-colonel Sokoba, cette action a été rendue possible grâce à une synergie d'action entre ces hommes sur le terrain et les populations de la localité. Une occasion pour le responsable militaire d'appeler ces populations à encore plus de collaboration, mais surtout de vigilance.